Avec les vœux du président de la région Nord-Pas-de-Calais pour démarrer, hier, Daniel Percheron présentait donc ses vœux au nouveau siècle devant une salle comble. Le président du conseil régional n'a pas manqué à la tradition et a profité d'un récital de l'Orchestre national de Lille pour souhaiter la bonne année sous l'air de Beethoven et de Stravinsky. Une soirée des vœux à l'ambiance musicale et qui se voulait donc franchement optimiste. À 2 mois des élections régionales de mars, Daniel Percheron n'a fait qu'allusion au scrutin, préférant recenser les bonnes nouvelles à venir de l'année 2011. Frédéric Regnault était hier soir au Nouveau Siècle. Il a rencontré le président de région. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Daniel Percheron. Au niveau régional, ce sont tous les grands chantiers où la région a sa part, où la région parfois est à l'origine de la réalisation, où la région accompagne. Mais je pense que, oui, il y a le Louvre, mais il y a le Vélodrome, il y a le Grand Stade, il y a l'inauguration de Valenciennes, il y a le Palais des Sports naissant dans les cartons de Dunkerque, il y a le Palais des Sports d'Orchy, il y a la salle de basket du Portel. J'arrête. Hier, j'inaugurais à Aire-sur-la-Lys, monsieur le maire d'Aire-sur-la-Lys, monsieur Dissot est présent, j'inaugurais une salle de badminton incomparable.